tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Déjà je suis totalement déprimée, je dois vous le dire, c'est officiellement l'hiver, hein. J'ai officiellement remis mon chauffage à 5, ça fait 2 heures qu'il chauffe et j'ai quand même les poils qui se hérissent. Enfin, je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous avez un temps de merde comme moi, mais nous on frôle le zéro. En plus, il pleut. Bref, j'ai pensé à une vidéo il y a quelques semaines de ça, tout simplement parce que donc j'ai une mauvaise circulation du sang. Je ne sais pas si c'est dû à ma pilule 3e, je sais plus quoi, génération, bref. Mais c'est vrai que ça fait quelques années que j'ai noté des changements, des jambes plus lourdes, enfin voilà, des choses comme ça. Mais je faisais pas vraiment attention à ça. Et là, il y a quelques semaines, je me suis mise à avoir des douleurs dans les jambes. Bon, c'était pas non plus à s'arracher les cheveux, mais c'était vraiment très très pénible. Et ça durait vraiment toute la journée, hein, de partir du moment où je me levais jusqu'à ce que je me couche, et j'avais encore mal en étant allongée. J'ai commencé à faire des petites recherches, blablabla, et donc tout simplement j'avais un mauvais retour veineux. Donc j'ai essayé pendant plusieurs semaines de remonter les pieds de mon lit, trucs comme ça n'a absolument rien fait. Et donc j'ai testé plusieurs solutions, j'en ai trouvé des très efficaces, et donc pour tout vous dire, je n'ai plus mal depuis plusieurs jours, et donc je vais vous dire qu'est-ce qui m'a soulagée, qu'est-ce qui a fait que je n'ai plus du tout de douleur, de jambes lourdes ou autre. Trois produits que je vais vous montrer. Les trois produits, il y en a un dont je vous ai déjà parlé, pas spécifiquement pour ça, mais vous allez comprendre. Donc c'est une crème, la Body Tonic de chez Garnier. La Body Tonic de chez Garnier. Mais c'est là la Freezer, je vous en ai déjà parlé, anti-cellulite et anti-eau. Je l'ai choisi donc, sachant que moi je combats la cellulite, vous le savez, mais c'était pas forcément pour la cellulite là que j'ai décidé de vous la présenter. Quand on a des jambes lourdes, vous le savez, il faut se masser les jambes en allant de bas en haut pour activer la circulation un petit peu tous les jours. Et bah c'est quand même mieux de se masser avec une crème que sans rien. Donc franchement, s'il y en a une qu'il faut mettre pour se soulager, alors c'est temporaire mais ça soulage quand même, et bah c'est celle-là. Parce que comme je vous avais dit, ça fait un effet super froid. Et pendant vraiment plusieurs minutes, je dirais un bon quart d'heure, ça fait vraiment effet gelé. Et donc du coup, ça soulage mais énormément les jambes pendant bah, un certain laps de temps. C'est pas pendant 5 heures, c'est sûr, mais pendant une ou deux heures, on souffle un petit peu, ça fait du bien. Et puis en plus, ça fait une action anti-cellulite. Et ça accompagne le massage, c'est quand même un peu plus sympa que de masser sans rien. Donc je vous la conseille, je ne fais que de la racheter, j'adore cette crème. Et en plus, elle est efficace pour la cellulite. Je fais également, alors c'est horrible mais je le fais, finir la douche par un jet d'eau froide. Je déteste ça, c'est vraiment horrible. Donc vous prenez votre douche, blablabla. Si possible, évitez de prendre des douches trop chaudes, ou même normalement les bains d'eau chaude, c'est totalement interdit pour les gens qui ont des problèmes de circulation. Donc vous finissez votre douche avec un jet d'eau froide. Et que vous passez donc sur vos chevilles, tout en remontant, sur vos mollets, sur vos cuisses, sur vos fesses, hein, voilà, faut remonter. Et faut rester, faut pas faire chut, faut faire... Sinon ce serait pas marrant, hein, faut souffrir au moins une bonne ou deux minutes même. Voilà, donc l'idéal c'est de le faire à chaque douche. Les deux autres choses que je fais, c'est l'utilisation de produits. Alors, j'ai acheté un truc il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Je vous avais présenté son petit frère, son grand frère, oh je sais pas comment on dit. Bref, je vous ai présenté le Shorty Mixa pour la cellulite. Et je me suis décidée à acheter le... Alors il est plein de... Je viens juste de le laver, mais moi avec le chat blanc c'est impossible. Le legging Mixa, donc le noir. J'ai pris le SM et là ça va, c'est impossible de rentrer dedans les 3 premières fois. Mais vraiment impossible, comme si j'avais pris un collant taille 1. Même taille 0, mais au final après ça se détend, même après les lavages, et franchement ça va. Et donc je l'ai acheté, je l'ai payé une blinde, ça coûte 32 €, et en plus je suis dégoûtée puisque là il y a une promotion à Carrefour en ce moment, et puis même il y en avait une au Leclerc avant, enfin bon bref. Je vous avertis tout de suite, c'est un legging super transparent, c'est presque aussi transparent qu'un collant noir quasiment. Un tout petit peu moins, mais bon voilà, et en plus il y a des détails, enfin ici de trucs qui masquent, là je sais pas si vous voyez. Sur le haut comme ça là. Plus il a une matière qui est vachement je sais pas comment dire ça, ça attire les poils, et même les, pas forcément les poils, les peluches. Par exemple je l'ai mis sous un jogging,
Il était tout blanc en ressortant parce qu'il a piqué toutes les peluches de mon jogging. Enfin, c'est une horreur. Donc c'est vachement ça attire tout ce qui vole. Donc vaut mieux le mettre sous quelque chose. C'est le seul bémol de ce legging. Donc moi personnellement, je le porte sous mes leggings ou sous mes jeans. Gros point positif de ce legging. Je l'ai pris pour la cellulite, on est bien d'accord. Et j'ai remarqué quand je l'ai acheté, je l'ai enfilé. Mes douleurs ont disparu, mais en 20 minutes, quelque chose comme ça. 30 minutes. Hallucinant. J'ai porté toute la journée, mal zéro fois. Et quand je me levais le matin, j'avais re un petit peu mal et hop. Et donc en fait, limite, je le mets pour pas avoir mal. Et en plus, il est très efficace aussi contre la cellulite associée à la crème. Enfin, je trouve vraiment que c'est un bon produit pour moi. Et donc, c'est un. Quand vous le mettez, vous n'avez plus aucune douleur. Enfin, personnellement, moi, je n'avais plus aucune douleur. Alors peut-être que si vous êtes à un stade plus élevé que le mien, sachant que j'avais quand même mal dans les jambes, hein, c'était vraiment très dur à supporter. Je pense quand même que ça peut vous faire au moins diminuer énormément la douleur. Donc il est vraiment top. En plus de ce legging, j'avais tellement mal dans les jambes, j'ai cherché autre chose et j'ai trouvé autre chose. Ça faisait longtemps que je louchais là-dessus. Hein. Ça se trouve en pharmacie, en grande surface, ça se trouve un peu partout. Des gélules végétales. Et donc j'ai pris la marque Léa Nature Fluorescence. Et j'ai pris circulation tonique au ginkgo, vigne rouge et amamélis, puisque ce sont les plantes, les feuilles qui étaient conseillées par tous les professionnels dont j'ai consulté les articles. Et donc voilà, ça réunit vraiment ces trois feuilles-là. Donc j'ai déjà bien dégommé, hein, j'ai quasiment fini. Donc voilà, et en fait, ils disent, pour garder une bonne circulation, si vous n'avez pas de problème particulier de circulation, donc de faire de temps en temps des programmes avec une gélule par jour. Vous avez 45 gélules, donc pendant 45 jours, vous en prenez une par jour. Ça aide à ce que votre corps ait une bonne circulation. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, voilà. Et par contre, programme intensif, c'est-à-dire que si vous avez mal à cause de votre circulation, sensation de jambes fatiguées, mauvaise circulation, température estivale, si par exemple vous avez mal juste quand il fait super chaud comme certaines personnes, il faut en prendre 3 chaque matin avec un grand verre d'eau. Et donc, il n'y a pas de limite à respecter. Ils disent pas non, ne faire qu'un programme tous les 6 mois. Ils disent rien. Donc de toute façon, ce sont des plantes. Donc ça peut pas nuire si on a une mauvaise circulation vu que c'est censé l'améliorer. Régulièrement, une fois tous les 3 mois, je pense que je vais me faire un truc comme ça. Et c'est... Alors là, je voulais vous le dire, j'ai utilisé ça. Quand j'ai enlevé le legging, je n'avais plus mal. Je n'ai pas mis de legging ces 2 derniers jours. Encore la semaine dernière... Pendant 2 jours, je ne l'ai pas porté, donc 4 jours sur 2 semaines différentes, je ne l'ai pas porté. Et je n'ai jamais, jamais, jamais plus eu mal. Sans déconner. Je pense que c'est l'association de ça, du legging, la crème, je pense pas. La crème, c'est vraiment un espèce de bien-être temporaire. Mais pour moi, ça, c'est vraiment des choses durables et efficaces. Et en plus, qui sont pas mauvaises pour la santé et qui ne coûtent pas un bras. Enfin, ça, c'est un investissement, mais bon, voilà. Mais ça coûte 5,90€. Je l'ai trouvé chez Leclerc, au rayon, tout ce qui est diététique, etc. À un moment, il y a un espèce de rayon où il y a plein de petites boîtes comme ça pour différents problèmes. Donc je vous le recommande vivement, honnêtement. Voilà les filles, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une tenue du jour et également pour un haul vêtements, peut-être un lookbook, un haul maillot de bain. Enfin voilà, j'ai fait plein de trucs. Donc je vous fais plein de gros bisous les filles. Ciao!